Messieurs les académiciens, oui, alors, s'il vous plaît. Cette histoire incroyable. Messieurs, si le comité des auteurs dramatiques se réunit d'urgence aujourd'hui, c'est qu'hier est mort à Paris Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Ah, ouf, c'est fait. Oui, le personnage est d'importance. Messieurs, allons-nous lui ouvrir les portes de l'immortalité? Telle est la question qui se pose. Elle ne se pose pas, monsieur le directeur. Monsieur de Beaumarchais ferait une mauvaise figure parmi les immortels. Nous l'estimons. Comment vous nous l'estimons indésirable. Nous voilà tous d'accord, j'en suis charmé. Faites entrer monsieur de Beaumarchais. Mais oui, monsieur le directeur. Ça montre que ça va. C'est bien tout. Monsieur de Beaumarchais. Messieurs, je vous salue. Monsieur de Beaumarchais, vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de l'immortalité. Ah, vous êtes ce tribunal. Exactement. En ce cas, messieurs, j'aimerais savoir qui vous êtes. Bois-Robert, auteur dramatique, membre de l'Académie française. Bois comment? Bois-Robert. Ah. Sorin. Sorin, tiens. Oui. Non, Sorin. Oh, pardon. Auteur dramatique, membre de l'Académie française. Danchet. Danchet. Membre de l'Académie française. Ah, je me demandais aussi pourquoi votre nom ne me disait rien. Oh. Auteur dramatique. Oui. Campistron. Ah ça, mon Dieu, je l'ignore. Quand on en a envie, je pense. Oh. Non, j'ai dit Campistron. Oh, pardon. Poète dramatique. Pardon, j'avais mal entendu. Membre de l'Académie française. C'est bon à savoir. Des Marais. De l'Académie française. Non. Auteur dramatique. Non. Mais si. J'en apprends des choses aujourd'hui. Tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau. Mais messieurs, me permettrez-vous de m'étonner de l'absence en ces lieux de messieurs Sedaine et Marivaux? Ils étaient bien auteurs dramatiques l'un et l'autre, et tous deux membres de votre académie, n'est-ce pas? Sedaine et Marivaux se sont... sont récusés. Oui. Ils ne souhaitaient pas faire partie du comité d'experts. Ah, je les reconnais bien là. Ce sont de grands auteurs. Abordons la question, monsieur. Quels sont vos titres à l'immortalité? Oh, mes titres bien modestes, monsieur le directeur. Le barbier de Séville, le mariage de Figaro. Oui, soit, laissons de côté l'auteur et regardons l'homme privé. Comment vous êtes comporté pendant votre vie? Mon Dieu, le plus intelligemment possible. J'ai tâché de vivre en toute occasion. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. Et je suis sorti de la vie à mon insu, sans le vouloir, comme j'y étais entré sans le savoir. Mais, messieurs, ayant été l'homme le plus haï, le plus adoré du XVIIIe siècle, j'ai noté en un mémoire les causes de tant d'inimitié. Avec votre permission, je vous le lis. Dès ma folle jeunesse, j'ai joué de tous les instruments, mais je n'appartenais à aucun corps de musiciens. Les musiciens m'ont détesté. J'ai inventé quelques bonnes machines, mais je n'étais pas du corps des mécaniciens. On a dit du mal de moi. Je faisais des vers et des chansons, mais qui m'eût reconnu pour poète? J'étais le fils d'un horloger. N'aimant pas le jeu de l'auto, j'ai fait des pièces de théâtre. Mais me fussais-je mis une pierre au cou, car aussitôt on s'est écrié « Ce n'est pas un auteur, il fait d'immenses affaires. » Et c'est vrai, j'ai fait le commerce dans les quatre parties du monde. J'ai eu 40 navires à la fois sur les mers. J'ai eu un vaisseau de guerre à moi, de 52 canons qui a eu l'honneur de combattre aux côtés de ceux de Sa Majesté. De tous les Français, quels qu'ils soient, je suis celui qui a fait le plus pour la liberté de l'Amérique. Mais, regardez comme un intrus, j'y ai gagné de perdre mes flottilles. Qui étiez-vous donc? Moi, monsieur le directeur, rien que moi, toujours moi. Moi, n'ayant jamais eu aucune querelle avec personne et partant repoussé de tous. Repoussé de tous et enchanté de vous.
Oui, ça, j'ai voulu en ce point vous ressembler, messieurs. Laissez-moi le confondre. Oui, confondez-le. Vous vous appelez Caron. Oui. Vous êtes offert le nom de Beaumarchais, vous avez pris celui de M. de Renac, et vous êtes devenu Rodrigue Hortalès. Vous avez donc vécu sous quatre noms différents. Mais je ne devrais n'avoir que plus de mérite à vos yeux. Pensez donc quatre noms connus quand il n'est déjà pas si facile d'en faire connaître un seul. Lors d'un séjour à Madrid, vous avez offert votre maîtresse au roi d'Espagne. Oui, je me suis toujours sacrifié pour mon pays. Vous avez dit un jour que vous étiez le premier poète à Paris. Oh, j'ai dit que j'étais le premier poète à Paris en passant la porte Saint-Antoine. Oh oui, vous êtes malin. Non, là, vraiment, je n'en faisais qu'une question d'adresse. Monsieur, vous ne franchirez pas les portes de l'immortalité. Messieurs. Messieurs, Molière est là. Oh, Molière voudrait vous parler. N'oublions pas qu'il n'a pas été de l'Académie française. C'est vrai, rien ne manque à sa gloire, mais il manque à la vôtre. Je n'ai qu'un mot à dire, ou plus exactement, je n'ai qu'un geste à faire. Monsieur de Beaumarchais, donnez-moi votre bras et passons ensemble le seuil de l'immortalité. Maintenant, essayez de nous séparer, je vous en défie. Messieurs, si vous retiriez d'une bibliothèque les deux pièces de Beaumarchais, cela ferait un vide affreux que rien ne saurait combler. Venez, Beaumarchais, que je vous présente à Jean de La Fontaine. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la création mondiale de la pièce de Sacha Guitry, Beaumarchais, avec Pierre Méran, Jacques-François, Philippe Clay, Francis Huster, Jean-Pierre, Jacques Balutin, Bernard Allaire, Jean Danet.